She is a woman of the word. C'est une femme de prière. She is a woman of prayer. Dans la prière, c'est une femme de foi. In the prayer, she is a woman of fire. Beloved, she is a woman of fire. Quand elle commence à bombarder. When she begins to bombard. Dans la vie d'une personne. In the life of somebody. Pour enlever. To remove. Tous les démons qui te fatiguent. All the demons that are disturbing you. Le souffle de l'explosion. Explosion. Va passer. We pass. Et tu vas voir que même les démons qui étaient chez tes voisins, if there were messengers from the kingdom of darkness qui était au milieu de nous ce soir, in our midst tonight, pour pouvoir perturber la conférence. Maintenant qu'ils ont compris, now that they have understood, qui va venir à l'hôtel, that she will come to the altar. Je ne les vois pas. I am not seeing them. Mais je sais qu'ils cherchent un endroit. But I know that they are looking for a place. Pour fuir. C'est à elle que le Seigneur. She is the one that the Lord a donné le thème de cette année. Have given the topic for this year. Je me lèverai pour poser. I will arise to possess my possession. Et il lui a pas juste donné ce thème. And she did not just give the topic. Il l'a aussi fait dans sa vie. She gave it in her life also. Il l'a confirmé dans sa vie. He confirmed it avant le début de cette conférence. Parce que le mois dernier, because last month, nous étions en Gambie. We were in Gambia. À la conférence internationale de la mission évangélique du Bethel. Et à cette conférence, elle a été ordonnée. She was ordained. Révérend pasteur. Where she wanted to see you. Toi aussi ce soir. So you also tonight. Si tu es volontaire. If you are with me. Dieu va te positionner. Là où je veux que tu sois. We are what you to really to be. Elle a été ordonnée. She was ordained. Par notre évêque qui est là. By our presiding bishop. L'évêque Darlington Johnson. Bishop Darlington Johnson. Et les six autres évêques de diocèse. And the six other bishops of the diocese. Ont déposé des bénédictions sur sa vie. Their blessings upon her life. Là où elle est, elle est chargée. Yes. Elle est chargée. Elle n'a pas encore rendu ministère. She has not yet ministered. Dans le corps du Christ. In the body of Christ. Depuis qu'elle a reçu cette grâce. She received this grace. Donc ce soir. So tonight. En avant-première. Before. Nous avons le privilège. We have the privilege. De partager. To share. Ce qui a été impacté. What was impacted in her. À ce moment-là. At this moment. Je voudrais que vous le. I want you to stand up. Pour accueillir.
Alléluia. Merci, Père. Thank you, Father. Oh, Jésus, merci. Thank you, Jesus. Nous allons pas chanter ce chant là, il est fidèle. Dans le signe de son fils. C'est un chant que je chante tout le temps. Et ce chant là, il est bon de temps. Mon Jésus est fidèle. My Jesus is faithful. Il est fidèle. C'est lui qui ramasse les vases qui n'ont pas de signification. He's the one that fills the vessels that have no significance. Si les mains soient de quelque chose. Step up and make them something out of them. Il est fidèle. He's faithful. Quand tu n'as plus d'espoir. When you have no more hope. Il est celui qui donne l'espoir. He's the one that gives you hope. Jésus est fidèle. Jesus is faithful. Quand les gens disent que c'est fini pour toi. When men say it's over. Jésus te regarde dans les yeux. Jesus looks up your eyes. Il te dit encore c'est possible. And say it is still possible. Jesus is faithful. Jesus is faithful. Nous allons prendre encore ce chant. Now let's take back the song again. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Il est fidèle. Il est fidèle, mon Jésus. When I say we, I say I'm talking about the women department. Nous voulons ce soir dire merci au Seigneur pour sa bonté. Thanks to the Lord for His goodness. Sa grâce. For His grace. Amen. Amen. Pour cette deuxième édition de cette conférence internationale. Edition of this international conference. Amen. Quelqu'un m'a demandé. Someone asked me. Maman, pourquoi on dit international? Why do we say it?
internationalement. Et depuis qu'on a commencé, on a commencé par une invitée internationale. And when we started inviting an international guest. Mais on ne continue pas avec. But we are not keeping going with. Est-ce que c'est la peine de dire cette année conférence internationale? Do we supposed to say international conference? Je dis c'est la peine. I say it's necessary. Parce que je ne vois pas là où je suis, mais je vois là où je pars. Because I'm just seeing where I am now, I'm seeing where I'm going. Parce que je sais. Because I know que dans 5 ans, à venir, cette conférence, this conference, Arise and Shine, left, right, green, va prendre une autre dimension dans cette nation. Amen. Cela, c'est une conférence internationale. Donc, nous voulons bénir le nom de Dieu so we would like to bless pour la grâce for his grace, qui nous a donné pour organiser ce programme. Amen. Merci aux femmes de grâce. Thanks to the women que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité, la compréhension et en ce que vous croyez à moi. Amen. Parce que si vous ne croyez pas à moi, personne que quelqu'un ne peut pas sortir. The something the money is important. Les femmes n'ont pas droit à la parole. Women have no word to say. Mais à Bethel, nous avons cette grâce. We have this grace. Et dans cette église, church, nous avons cette grâce. We have this donc nous voulons dire merci so we would like to say à son excellence ce soir so de nous avoir donné l'opportunité de nous tenir devant le peuple de Dieu, parler de la part de Dieu. Yeah. Et bien, merci. Thank you very much. Au nom de Jésus. Jesus. Quand on parle de mon mari, je veux qu'on l'acclame. Et dire merci à notre oratrice principale. Yes, speaker. Quand quelqu'un dit Maman Linda, you are too much. Quelqu'un dit Maman Linda, you are too much. Si tu vas pas en vrai, faut le faire avec moi. Maman Linda, you are too much. Say Maman Linda, you are too much. Voilà. Faut apprendre l'anglais ce soir. Maman Linda, you are too much. Say Maman Linda, you are too much. Apostle, you are too much. You are too much. Wow. Elle nous a béni pendant ce deux jours. Les révélations. Revelations. Seigneur. Lord, que Dieu soit loué pour ça. Amen. Lord, for à nos deux exhortatrices, si ça se dit. To our two exhorters. Nous, la notre français a arrêté à un niveau. Quand on veut faire, on envoie les yeux par eux. Ceux qui ont tout là, on dit, est-ce que ça se dit? On peut dire, oui, ça se dit. Yes, it is. Voilà. Donc, je voulais bénir le nom de Dieu pour Maman Rita. Maman Rita. Je sais qu'elle le sait, peut-être qu'elle ne le sait pas. She knows about it, but son mariage, her marriage, en quelque sorte dépendait de moi. Depended on me. Qu'est-ce que je veux dire? What I want to say. Je devais approuver. I was to approve. À mon fils, montrer à mon fils to show to que je suis d'accord. That, la seule personne qui était compliquée, the only complicated person, moi. It was me. Donc, il m'a appelé so deux semaines. He called me 2 weeks before. Il m'appelle toujours Redman. And he called me Queen Mother. Redman. And he said, je voulais amener la sœur. I would like to bring the sister. Pour voir la famille, pour saluer la famille. To see the family and greet. J'ai dit quelle sœur. I said, which is it? La sœur ne t'est pas allée là. I said, he said, the sister I told you. Mais la sœur n'a pas le nom. And I said, the sister. Ah oui, la sœur Rita. And he said, Sister Rita. J'ai dit d'accord. I said, okay, you can. Voilà, envoyez. Elle va venir saluer la famille. She will come and greet the family. Et vous allez repartir. And you will go back. On va continuer à prier. And we will continue. Mais j'ai testé, j'ai prié.
I prayed and I tested. Non, ça je le confesse. I confess. J'ai prié. I prayed. Mon mari est là. My husband is here. He can testify. J'ai dit au Seigneur. I said to the Lord. Ces jeunes que tu nous as donnés. The young people you have. Je ne veux pas les voir dans un mariage qui vont souffrir de même. In a marriage where they are going to suffer. Parce qu'ils sont appelés à servir Dieu. They are called to serve God. Si le foyer ne marche if pas, home isn't working, c'est des problèmes. It will be a problem. Donc la fille que Marc a en train d'envoyer là. The woman that Mark is moi j'ai mes signes. I have my signs. Si j'ai ça, if I see this elle est l'épouse de la maison. Then she is the wife of the house. Elle vient. She comes. Je fais espérer de durer dans ma chambre. And I pretend to stay longer in the room. Pour voir combien de fois elle sera patiente. To see how much she is going to be patient to receive me. Elle a été patiente. She was so patient. J'ai duré. I stayed long. Je sors de la chambre. And I came out of the room. Je la trouve en train de jouer avec les enfants comme si elle les connaissait. She was playing with the children like she knew them before. Communiquer avec eux. She was communicating with them. Elle n'a même pas remarqué quand je suis sorti. I mean, she did not even notice that I was there. Oh, j'ai dit Seigneur, merci. So I said, Lord, thank you. Ça, c'est une femme de foyer. Et une femme de foyer peut faire le ministère. A woman in the home, a good woman in the home can do the ministry. C'est la vérité. This is true. Une femme qui aime les enfants. A woman that loves children. Une femme qui aime la famille. A woman that loves the peut maintenir le ministère. The ministry. Peut se sacrifier pour le ministère. Sacrifice herself for ministry. Je l'ai saluée, nous l'avons parlé. I greeted her and we talked. Et quand mon mari est venu, when my husband came, j'ai dit nous devons épouser Rita. He said, let us, I said let us marry Rita. Rita. Let us marry la femme de mon fils. The wife of my son. Papa dit, mais comment ça? He said how? J'ai dit, je n'ai pas dit que je l'aime. I'm not saying that I love mais her. Mais mon cœur l'a accepté. My heart accepted her. C'est tout ce que j'ai dit à mon that was all. Et je bénis le nom de and Dieu. Après des années passées. And after years. Amen. Amen. Dieu peut me dire aujourd'hui, God can tell ma fille, tu avais raison. My daughter, you were right. Dans sa condition là. In her condition. Elle peut venir se tenir même pour prêcher. She can even come to stand and preach. Elle est en un état de famille. She's in a family. C'est une femme du ministère. She's a woman of the ministry. Acclame-moi encore. Now, let's go. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Dans le nom de Jésus. Maman Bénédicte, merci beaucoup. Maman Bénédicte, thank you. Merci. Thank you very much. Pour la parole de hier. For the word of yesterday. Oh, ça nous a béni. Merci. God bless you, sir. Amen. Amen. Moi, j'ai dit. I see. Hey, je suis béni. I'm blessed. Apostle. Apostle. Le jour où on m'appelle, je suis fatigué. The day j'ai déjà où je vais envoyer. I know who I'm going to send. Vous avez vu Maman Estelle ce soir? Did you see Maman Estelle? Comment tu commences à bien méditer, hein? Le temps de méditation doit augmenter. My meditation time, she will. Mais si les enfants peuvent sortir des révélations comme ça? Your children can bring revelation like that. Avec des versets alignés. With verses that are lined up. Ah! Comment tu cours fort? I need to run fast. Alléluia. Amen. 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 Nous allons rentrer dans les business. Que quelqu'un dit des affaires. Let's get into business. Somebody say Jésus a dit, Jesus said, tant que je suis sur terre, as long as je vais faire les affaires I'm de mon père. To do my father's business. Amen. Amen. Nous sommes dans une atmosphère de conférence. We are in an atmosphere of a conference. Amen. Amen. Et depuis le mercredi, and from Wednesday, nous avons vu la parole de Dieu. We have seen the word of God. Jeudi, nous avons vu la parole de Dieu. Nous avons écouté les exhortations. Depuis mercredi, si vous voyez ces choses, tout ce que nous avons écouté et ce que nous allons ajouter aujourd'hui, nous allons voir comment l'Esprit de Dieu est en train de bouger dans cette conférence, dans une harmonie, alléluia, en train de donner la même direction. Giving us the same direction. Amen. Maman Anita, bienvenue. Bienvenue. Amen. God bless you. Alléluia. Je voulais le faire, je l'ai oublié. I wanted to do it, but amen. Que Dieu te bénisse. Bless you. Merci beaucoup. Thank you very much. Donc notre terme général. So our general theme.
C'est Esaïe 60, Isaiah number 60, verset 1. Verse 1. Est-ce qu'on peut l'afficher? Can we just have it on the screen? Esaïe 60, Isaiah chapter number 66. Lève-toi. Arise. Sois éclairé. And shine. Et nous, nous avons dit. And we say. Femme. Women. Lève-toi. Arise. Sois éclairé. And shine. Donc la parole ou le message que j'ai ce soir. So the message I have for you tonight. Le titre que j'ai. The title I have for you. Lève-toi. Arise. Et accomplis ton agenda prophétique. And accomplish your prophetic agenda. Lève-toi. Arise. Et accomplis ton agenda prophétique. Your prophetic agenda. Bien aimé dans le Seigneur. In the Lord. Frères et sœurs. Brethren. Il y a un agenda prophétique sur la vie de chaque prophetic agenda in on the life of every child. Et cette parole de Esaïe 60. This word of Isaiah chapter number 60. Est une prophétie. It's a prophecy. Pour une personne qui est en train de se lever. Pour posséder ce que tu veux posséder pour avancer avec Dieu. Want to possess to go forward with the Lord. Il y a un calendrier. There is a calendar. Dans un calendrier, calendar, il y a des jours. You have days. Dans un calendrier, calendar, il y a des heures. You have hours. Dans un calendrier, calendar, il y a des minutes et des secondes. Alléluia. Alléluia. Le calendrier d'hier ne peut pas se répéter aujourd'hui. Le calendrier d'hier est passé. The calendar of yesterday has gone. Chaque jour a un calendrier. Every day has his own calendar. Chaque jour, Dieu a un agenda. Every day, God has an agenda. Pour ses enfants. For his children. Nous devons accomplir l'agenda de Dieu. We have to accomplish the agenda of God in our lives. L'agenda de Dieu. Agenda of God. C'est ce que nous appelons la prophétie de Dieu pour nos enfants. What we call the prophecy of God for our lives. What is the word of God for your life? Que tu puisses te lever. For you to rise. Pour que tu puisses voir. For you to see. Que ta lumière en train d'arriver. Light is coming. Que la gloire. That the glory. De cette saison. This doit se lever sur toi. Must rise upon you. Amen. Il y a une gloire. There is a glory. Il y a une lumière. There is a light. Qui doit briller. That must shine. Sur la vie d'une personne. Upon the life of someone. Amen. Amen. Nous l'avons entendu. We heard it. La dernière fois. Last. Il faut être déterminé. That you should be determined. Il faut avoir la volonté. You should have will. Moi, je voulais dire ce soir, ajouter sur cela. Now, I would like to add on this. Il faut être audacieux. You need to be bold. Il faut avoir le courage. You need to have the courage. Alléluia. Alléluia. Il faut connaître le temps. You need to know the time. Ou la saison. Of the season. Dans laquelle tu es. In which you are. Amen. Amen. Ta condition. Your condition. Et ta situation. Your situation. Peut influencer ta destinée. Can influence your destiny. Je vais reprendre ce mot. Ta condition, condition et ta situation, and your situation peuvent influencer can influence ta destinée. Your destiny. Tu es dans une situation aujourd'hui. You are in a situation today. Ne veut pas dire que Jésus n'est plus vivant. That does not mean that Jesus is no more alive. Ta condition aujourd'hui your condition today ne glorifie pas comme tu le veux. Le Seigneur ne glorifie God the way you want today. Ne veut pas dire que Dieu n'est pas that vivant. That does not mean that God is not alive. Non. No. Il est vivant. He is alive. Et il est fidèle. And he is faithful. Le seul Dieu qui a été trouvé fidèle. The only God that was found faithful. C'est notre Dieu. Is our God. Yeah. Amen. Amen. Donc. So. La parole. The word. Cette prophétie. The prophecy. Qui doit s'accomplir dans ta vie. That must be accomplished in your life. Amen. Amen. Tu dois désirer ça. You need to desire it. Il y a une action. There is an action. Que nous devons prendre. That we should take. Hier on nous a dit. Yesterday. Qu'il faut prendre un pas de foi. That you need to take a step. Pour rentrer. To get in. C'est une bonne chose d'avoir la volonté. It's a good thing to have the will. J'ai la volonté de voyager. Willing to travel. J'ai la volonté de me marier. I'm willing to get married. Cette année, je suis déterminé. This year, I'm determined. Ça, c'est une autre chose. Now, this is another. Mais prendre un pas de foi. Taking a step of faith. Pour rentrer. To get in. Dans la destinée que Dieu veut. The destiny that God has. C'est une autre chose. It's another thing. Alléluia. Alléluia. C'est une autre chose. It's another thing. Parce que la foi, because faith, si tu ne risques pas, if you tu ne peux pas démontrer la foi. If you can, if you can take a risk, je ne veux pas que vous avez fait ça hier. Parce que cela nous a été déconsidéré hier. Ta foi your faith peut influencer la destinée. Ta foi your faith peut avorter ta destinée ou peut t'aider à aller dans ta destinée. Your destiny or put you into
fulfill your destiny. Amen. Parce qu'une personne qui est consciente, someone who is conscious, qui sait, et qui le sait très bien, il y a quelque chose qui m'attend. There is something that is waiting for me outside, beloved. Quelque soit les barrières, whatsoever the barrier may be, quelque soit la distraction, distance may be, qui va venir, that will come, je dois tout faire, I will do all, pour arriver, to get, là où je dois arriver. Where I am, parce que je sais que, because I know, là-bas, that there, quelque chose, something for me. Look at someone next to you. And then the person. There is an agenda of God that you have to accomplish. There is a prophetic agenda that you have to accomplish. Amen. Amen. The Bible says, arise. Arise. Isaiah number 60. That means que c'est quelqu'un qui a une position bizarre. That it was someone who have a funny position. Ou la personne était couchée. Maybe the person was lying. Ou la personne était là assise. Or the person was sitting back. Ou la personne était là sans espoir. Or was never at home. Ou la personne se lamentait. Or was lamenting. En tout cas, la personne ne pouvait dans une situation. Anyway, someone was found in a situation. Quelque chose n'allait pas. Something was not going on good. Donc quelqu'un te regarde. Someone looks at you. Qui dit mais toi? And say you. Au lieu de rêver là où tu es. Instead of dreaming where you sit. Lève-toi et va faire quelque chose. Arise, go do something. C'est pour ça que je dis que c'est un agenda. This is why I say it's a prophetic agenda. C'est une parole prophétique. It's a prophetic word. Dieu a une parole prophétique pour son peuple. Have a prophetic word for his people. Dieu a une parole prophétique pour son église. A prophetic word for his church. Dieu a une parole prophétique pour une famille. A prophetic word for a family. Dieu a une parole prophétique pour un ministère. For a ministry. Dieu a une parole prophétique pour une personne particulière que soit dans cette salle. Il y a une parole pour toi. There is a word for you. Lève-toi. Arise. Lève-toi, sois éclairé. La lumière de Dieu arrive. Because the light of God is coming upon you. Amen. Amen. Nous allons partir ce soir. Now let's go tonight. Dans le livre de Deux Rois. In the book of Second Kings. Le livre là. This book. Ce passage là. This passage. Deux Rois 7. Second Kings chapter 7. Quand j'ai lu, when I read this, j'ai pris mon temps. I took my time. J'ai fait la lecture encore. I went through the reading. Encore et encore. Over and over again. Encore et encore. Over and over again. Il dit Seigneur. And I said, Lord, ça veut dire quoi? What does this mean? Parce que, because, ce que la Bible est en train de nous dire dans ce passage là. What the Bible is telling us in this passage. Ce soir. Tonight, je suis venu pour provoquer une personne. I have come to provoke you. Amen. Amen. Je suis venu pour défier une personne. I have come to challenge someone. Nous sommes tous restés assis dans la même position. We have stayed alone. La vie nous dépasse. Life is going. L'année ne fait que continuer. The year is running. Nous oublions que nous avançons aussi en âge. And we don't think that. Il y en a qui ne sont même pas conscients que chaque année. Some people don't think. Il y a une année de plus. They are not even conscious that they are getting older every year. Some people. Que chaque année ils ont 25 ans. Every year they are 25. No. Tu n'as pas 25 ans chaque année. You are getting 25 every year. Alléluia. Alléluia. Quelques années maintenant sur mon âge là. After a few years. Je rentre dans les 50 ans. I will be getting into 50. Amen. Amen. You need 3 million to start business.
first of all. Non. No way. Avec le Seigneur, c'est pas comme ça. With the Lord, si il le fait, if he does it, voilà. Glory be to God. Mais le petit que tu as, the small you have in your hands, tu dois faire quelque chose. You have to do something with that. Second Kings, 7, chapter number 7, verset 1. Verse 1. La déclaration de Laetitia est où? Déclaration de Laetitia, please. Ok. Élisée dit, aha, écoutez la parole de l'Éternel. Oh, ya, 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 ya. Ainsi parle l'Éternel. Oh, oh. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un sigle. Mm-hmm. Et deux mesures d'or pour un sigle à la porte. Laisse-moi déclarer quelque chose sur la vie d'une personne maintenant. Je te déclare. I declare to you. Quand la même heure demain. At the same hour demain. Tomorrow. Nous sommes déjà à 20 heures passées. Quand tu vas rentrer vers 20 heures, 19 heures demain. The Lord. Ce que tu cherchais va te retrouver là où tu es. Now listen, look at this foolishness he said. When you can be Satan, you're a bastard. Somebody said, Satan, you're a bastard. Pareille chose arriverait-elle? Devil. Say it again. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux. Tu vas le voir. Thou shalt see with your eyes. Mais tu n'en mangeras pas. Quiconque a déclaré dans ta famille, quiconque a déclaré sur cette planète terre que tu ne verras pas le bonheur, cette personne verra ton bonheur. Quiconque a décidé en cette saison de manger ta chair, je le déclare dans le nom de Jésus. Ils mangeront leur propre chair. There was a situation in the land. La Bible nous dit dans ce passage, si tu remontes verset 6, vers la fin, chapter 6, on dit, la situation était tellement difficile. Now the situation was les so bad. Les hommes commençaient à manger leurs enfants. The women began to eat their children, each other. La famine était telle que. The famine was so much. Les difficultés. Difficulties. Étaient telles que. Were so much. Les gens ont commencé à se bouffer. That people began to eat. La sorcellerie est devenue nationale. Witchcraft became the national thing. Tout sorcier dans ta famille. Every witch in your family. Dans le nom de Jésus. Tout sorcier dans ton foyer. Every witch in your home. Tout sorcier. Every witch. Dans ta famille. In your family. Dans ton village. In your village. Dans ton pays. In your nation. Dans ta nation. Dans la maison de ton père. Dans la maison de ta mère. Qui a décrété. Avant la fin de 2016. What is this?
passer par le mur. Mais le désert, c'est pas pour toute la vie chrétienne. I have to say something. Je ne peux pas accepter ce qui se passe. I can stay and accept what is going on. Il est venu. Now he came. Il dit ainsi parle les ténèbres. Le Dieu des cieux, le Dieu que mon maître est dit, that my master is like you. J'ai vu Dieu se manifester dans la vie. J'ai reçu le mandat. J'ai reçu le mandat. Je suis venu pour déclarer. I have come to declare something. Il dit ainsi parle les ténèbres. Don't say the Lord of hosts. At the same hour tomorrow, la farine, by this time, the flour will come back. Abundance will come back. The Bible says, an officer. Oga sabi sabi. Oga, I know all. Hallelujah. Hallelujah. Oga, je me fatigue pas. The chef qui s'est dit, il s'entend de nous dire quoi encore. What is he saying again? On a entendu ça fatigué. We had this too much. C'est la même parole tous les jours. The same word. C'est la même parole tous les jours. Mais c'est pas le même moment tous les jours. Hier était hier. Qui n'ont pas de diplôme. You don't have no degree. Comme nous. Like us. Qui n'ont pas de master 6. You don't have master 6. Comme nous. Like us. Qui ont été limités par le bac. On a eu le bac. Dans mon temps, on dit qu'il faut t'orienter. Nous sommes partis vers l'orientation. Pour être infirmier. Donc les portes de l'université nous ont fermé. Les gens ont rejeté. Méprisé. Abandonné. C'est ce que le verset Now this is what verse number 20 says. Je vous ai dit ici, allez à l'école, c'est une bonne chose. Going to school is a good thing. Mais comment vont étudier? My children will study. Je les ai dit. I told them. Moi, je n'ai pas de master 3 et 4. I didn't have master. Vous allez avoir ça. C'est une bonne chose. Mais à mon âge, je n'ai plus besoin de ces choses pour prêcher l'évangile. J'ai besoin de la démonstration de la puissance. Il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux. Arrête-toi là-bas. I'll stop right there. Quand la prophétie sortait, now when the prophecy was coming out, ces quatre lépreux étaient là-bas. These four lepers were then dead. Dans ta Bible, ils étaient là-bas. In your Bible, were they there? Ils étaient pas là-bas. Were they present? Quelqu'un va me dire, mais c'est parce que ce n'est pas écrit. Somebody will say because it's not written. Mais ils faisaient partie du peuple d'Israël. But they were part of the people of Israel. Oui, ils faisaient partie du peuple d'Israël. They are members of the people. Mais au temps d'Élisée, in the time of Elijah, un lépreux n'est pas permis de vivre dans la société. A leper cannot live out of the people. C'était des personnes rejetées. Outcast people that are living outside the city. C'est pour ça la Bible dit. Now this is why the Bible says. Ils s'étaient assis. Chaque à la rentrée de la porte. At the entrance of the city. Plus d'espoir. No hope. Leur condition et leur situation. And the situation. Comme Maman Yati a dit ce soir. Maman Yati said tonight. Affectait leur vie. Affected their life. J'étais quatre. There were four. Hier nuit, je regardais le mot lépreux dans la Bible. Yesterday night. Dans le dictionnaire. I was looking at the dictionary with the word leper. Les blancs là aussi. Hein. These white people, they know. Un lépreux, oui, une lépreuse, c'est celui qui atteint de la lèpre. It's someone who have lepros. Je cherche encore. I'm looking on m'a dit encore une lépreuse. Je ne suis pas à ça. So I'm not there for that. Finalement, j'ai fermé. So I just closed the dictionary. Que ma Bible dit d'un lépreux. I said what my Bible says. Ma Bible dit. My Bible. Les lépreux de ce temps. The lepers at that time. Quand ils veulent rentrer dans
la société. They want to get quand into ils veulent apparaître, when they want to appear, quand ils veulent passer, when they want to go, on attache une corde avec and des cloches tout autour. Non seulement les cloches vont sonner, the bell will ring, mais eux aussi. But they will be shouting to quelle humiliation. Je suis la paix. Je ne sais pas qui a été humilié dans cette salle. Humilié, je ne sais pas qui traverse le moment d'humiliation. Je ne sais pas qui la vie a abandonné à la porte de ta famille. Peut-être ta famille ne peut plus en toi. On dit il y a un caca. Et là, caca, on s'en fout d'elle. Laisse-moi te dire que Il faut fuir. You run away. On y lève toi.
pas. Sois éclairé. Tu dis comment je vais me lever. And you know, you say, how would I rise? Qui va venir te faire lever? Now, who will come and lift you up? Qui? Who? Qui va venir te dire? Who will come and lève-toi. Qui? Arise. Who? Who? Qui? Who? Si tu as besoin de quelqu'un, if you need someone, you will stay long. Les lépreux ont dit. The lepers say. Hey. Hey. Nous. Oui. Nous allons partir. Let's go. Dans le camp. In the camp. C'était les Philistins ou c'était quoi? This were Philistines or what? Syriens. Hein? Donc vous lisez la Bible. So you do read. Donc c'était les Syriens. Now this were Syrians. Vous avez écrit devant nous ici. Now it's written before. Amen. Amen. La Bible dit que les trois ne sont pas. Now the Bible says the four lepers went. Sans savoir. Without knowing. Que cette journée. That that. Il y avait un agenda qui devait s'accomplir. That my agenda was to be accomplished. Tu es venu à cette conférence. You have come to this conference. Tu ne sais pas que Dieu a un agenda and pour toi. You have an agenda for you. C'est à cause de ce que tu es venu. Because of your coming. À cause de ce que tu es venu célébrer avec nous. Dieu va amener les gens à accomplir l'agenda prophétique. Footsteps were amplified. C'est-à-dire les quatre là. I mean the four. Le pas s'est transformé.